Encore. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, tout d'abord un point de clarification. Tout à l'heure, vous nous avez dit que la femme de Takut, donc la grand-mère de Chanta, s'appelait Yihai. Et je voudrais vérifier une chose avec vous. Est-ce qu'il s'agissait de son nom en tant que tel ou bien de la façon dont on s'adresse toujours aux vieilles femmes vietnamiennes, de la même façon qu'on dirait Bong Srei en cambodgien? Est-ce que Yihai est la façon dont on s'adresse aux vieilles dames vietnamienne en langue vietnamienne? Très bien. Vous avez, juste avant la pause, dit que une personne avait survécu aux exécutions à Wat Ksa parce que cette personne avait dit qu'elle était chinoise. Vous avez dit ne plus vous souvenir de son nom. Je voudrais relire votre déclaration parce que vous aviez donné son nom en 2008. C'est le procès-verbal E3-76-85 à la page 3 en français, 3 et 4 en anglais et 3 et 4 en khmer. Et vous aviez dit que la femme qui avait survécu s'appelait Lan. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Et vous avez également mentionné que son fils Kun avait également survécu. Est-ce les deux seules personnes, à votre connaissance, qui ont survécu au massacre à Wat Ksa? Est-ce qu'après les exécutions à Wat Ksa, vous avez eu l'occasion de rencontrer Lang et Kun et de discuter avec eux de ce qui s'était passé sur place? Est-ce que Lang avait la peau claire et est-ce qu'elle parlait avec un accent? Elle parlait le khmer avec un accent. Est-ce qu'elle avait la peau claire ou bien la peau comme les khmer? Thank you,
Mr. President, I object to that question. Admittedly, I'm not at all an expert in saying what Khmer people look like, but to make a distinction between Khmer on the one hand being only dark-skinned and all light-skinned people must therefore not be Khmer. Mr. President, I'm sure you know better, but I don't think that distinction is a fair distinction. Bon, je pense que c'était plus une observation qu'autre chose. En tout cas, à la campagne, en 75, 78 en particulier, il n'y avait pas de produits éclaircissants, Monsieur le Président. Je vais revenir à ce qui s'est passé à Vatsa. Est-ce que, durant la journée précédant les exécutions, est-ce que vous avez entendu ou vu de loin que des gens étaient rassemblés au sein de cette pagode? Et qu'avez-vous de loin? Qu'avez-vous vu de loin? Combien de personnes environ? Du monde? Est-ce qu'ils faisaient du bruit? Ils étaient rassemblés à un endroit particulier de l'enceinte de la pagode? D'accord, j'ai bien compris. Vous avez déjà dit aux enquêteurs que vous ne vouliez pas vous aventurer à donner un chiffre précis ou exact. Vous serait-il possible de donner un ordre de grandeur ou une fourchette, si vous n'êtes pas sûr du nombre, que ce soit par exemple moins de 10, plus de 10, plusieurs dizaines, etc. Simplement, vous pouvez nous dire si vous êtes capable ou pas de nous donner un ordre de grandeur. Thank you, Mr. President. I object to this question. This is asking for speculation. He wasn't there. He wasn't on site. Asking the witness to give us an idea is a request for pure speculation. So I object. Monsieur le Président, je ne crois pas, je demande simplement ce que le témoin a vu, même si c'était de loin, pour me donner une idée du nombre. Il a dit que les gens étaient nombreux dans la pagode. S'il ne sait pas, il n'est pas capable de le faire, il peut le dire, il n'y a pas de problème. ស្រីជំទាស់របស់មិត្តវិការពីក្តីព្រោះកាលនេះមិនមែនស្មានទេគឺប៉ាន់ប្រមាណអាចប្រើពាក្យខ្មែរគឺច្បាស់លាស់ការប៉ាន់ប្រមាណថាវាប្រមាណទៅប្រហាក់ប្រហែលប្រមាណវាមិនជាក់លាក់ទេវាខុសពីពាក្យថាស្មានសតៃឆ្លើយតបនឹងទំនួលបើសិនជានៅចងចាំទំនួល ខ្ញុំ ប៉ាន់ ប្រមាណ ដល់ ប្រហែល ជា ជាង 10 នាក់ ណា ជាង 10 នាក់ ឬ 20 នាក់ អី នោះ ព្រោះ វា ច្រើន ដែរ D'accord, est-ce que beaucoup de monde pour vous, cela veut dire 10 ou 20 personnes? C'est ça que je dois comprendre. Alors le soir des exécutions,
Est-ce que vous étiez à la maison? Vous avez dit tout à l'heure que votre maison était à environ à 300 mètres. Devant les enquêteurs des juges d'instruction, vous avez dit à peu près 150 mètres. Peu importe, est-ce que vous étiez à la maison ce soir-là et pouvez-vous nous dire ce que vous avez entendu en provenance de la pagode? Qu'avez-vous entendu exactement? Vous avez parlé de voix. Est-ce que vous avez entendu des gens qui criaient? Et est-ce que ces hurlements étaient tellement fort que vous pouviez les entendre distinctement à votre maison ou tout près de votre maison puisque vous étiez sorti de votre maison? Est-ce que vous avez entendu également les bruits des coups qui étaient portés aux victimes? Devant les enquêteurs des juges d'instruction, dans votre procès-verbal d'audition E3-7685, à la page 3 dans chacune des langues, vous avez répondu ceci à propos de l'heure à laquelle ça avait commencé. Vous avez dit à 9h du soir. Je cite, « À ce moment-là, j'entendais le bruit des coups, fou, fou, et des cris, oi, oi. » Fin de citation. Donc, est-ce que vous avez entendu ces coups ou bien seulement les cris comme vous venez de le mentionner? Quand vous avez entendu ces cris qui portait loin, est-ce que vous avez tout de suite compris de quoi il s'agissait? Est-ce que vous avez pensé directement qu'il s'agissait d'exécution? Est-ce que c'était uniquement des cris de douleur ou bien les victimes ont également crié en s'adressant à ceux qui les exécutaient? Est-ce que vous avez pu éventuellement entendre ce que les victimes auraient dit? Et ce soir-là, est-ce que cela a duré longtemps? Est-ce que
vous avez pu dormir avant que vous entendiez la fin de ces cris? Et donc, à peu près combien de temps cela a pu durer? Je sais qu'à l'époque, personne n'avait de montre. Est-ce que vous pourriez nous dire si cela a duré plusieurs minutes ou plusieurs heures? Alors, vous avez parlé d'au moins deux familles qui avaient été victimes d'exécution à Wat Ksa. Vous avez parlé de Chanta d'un côté, et puis de la famille de Chum, Kea et Hong. Est-ce que vous avez appris si les enfants de Hong... Tout à l'heure, vous pensiez qu'il n'y avait qu'un, en fait. Leur tante a parlé de trois petits-enfants. Est-ce que vous avez appris si ces trois enfants ont été également tués à Wat Ksa? Dans les jours qui ont suivi les exécutions à Wat Ksa, est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec d'autres villageois qui avaient entendu les cris comme vous? Est-ce que vous avez appris des informations concernant certains villageois qui auraient pu assister à ces exécutions? Après les exécutions de Vietnamiens à la pagode de Ksa, personnes d'origine vietnamienne, est-ce qu'il restait encore des personnes d'ethnie ou d'origine vietnamienne dans votre village? Et si vous le savez, dans d'autres villages de la commune de Sang Voi, à part Takut et Yi Yai, dont vous avez dit qu'ils avaient été exécutés plus tard? I object, Mr. President. This is a very leading question. We have heard the evidence of the witness. He hasn't seen the execution. He hasn't seen people brought to the pagoda. He describes the people that he thinks were executed, whether they were executed because they were Vietnamese, or happened to be Vietnamese, is something that this witness doesn't know. Using the words Vietnamese origin almost in every question, the prosecution is constantly leading this witness into saying that they were killed because of their Vietnamese origin, hence trying to establish genocide. He should just ask open questions and non-leading questions when it comes to that specific part. Monsieur le Président, je
voudrais répondre. Ce n'est pas moi qui ai suggéré cela dès le début, quand j'ai demandé qui avait été tué à Vak Sa. C'est le témoin lui-même qui a bien dit qu'il s'agissait uniquement de personnes d'origine vietnamienne. Et tout à l'heure, il nous a même parlé d'une survivante et de son fils qui sont d'origine chinoise et qui avaient été épargnés parce qu'ils avaient dit, en tout cas la mère avait dit qu'elle était chinoise. Donc je n'invente rien, je me base sur les déclarations du témoin et je pense que la question que j'ai posée, bien qu'un peu compliquée, est justifiée. Monsieur le témoin, je crois que je vais la répéter parce que c'était compliqué. Donc, à part Takut et Yai, dont vous aviez dit qu'ils ont été tués après les exécutions de Vat Ksa, est-ce qu'il restait encore des gens d'origine vietnamienne dans votre village et dans les autres villages de la commune de Sang Voi après les exécutions de Vat Ksa? Est-ce que vous avez jamais appris ou su comment les enfants, s'il y en avait, en réalité vous avez dit qu'il y avait des enfants dans la famille de Chum, ont été exécutés à Vat Ksa? Est-ce que vous avez compris pourquoi les petits-enfants et les nourrissons étaient exécutés? Est-ce que vous êtes-vous rendu autour de la pagode le lendemain des exécutions? Vous avez dit que cela s'étalait autour de cet endroit. Que voulez-vous dire? Qu'est-ce qui s'étalait autour de la pagode de Ksa? Est-ce que les bourreaux se trouvaient toujours dans la pagode de Ksa? Trois jours plus tard, lorsque vous êtes allé chercher vos vaches à proximité, est-ce que vous avez vu si la pagode, dans l'enceinte de la pagode, il y avait encore des gens, non pas des victimes, mais plutôt des bourreaux?
Donc, si je comprends bien, vous n'avez jamais vu les bourreaux qui ont exécuté les gens à la pagode de Ksa un soir de 1978, ni avant ni après l'exécution. Alors, vous avez mentionné que des vêtements avaient été enlevés, donc se trouvaient encore sur place. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre autour de l'enceinte de la pagode comme élément en rapport avec les exécutions? Est-ce que vous avez, par exemple, vu des instruments qui auraient pu servir à l'exécution? Est-ce que vous avez vu une ou plusieurs fosses qui auraient été recouvertes à ce moment-là? Je veux être sûr d'avoir bien compris la dimension. Vous avez dit 4 mètres carrés. À la page 3 de votre procès verbal d'audition E3/76-8-5, dans les trois langues, vous aviez dit la fosse où ont tué les gens avait une dimension de 5 mètres sur 10 mètres. Dans cette fosse, il y avait un puits. Est-ce que vous pourriez repréciser la taille de cette fosse? Donc j'ai bien compris que le puits se trouvait dans la fosse ou bien est-ce qu'il y avait d'une part une fosse et à côté un puits? Est-ce que vous pourriez préciser s'il Par rapport à l'entrée, par rapport à l'entrée principale de la pagode, dans quelle direction se trouvait cette fosse? Sud, est, ouest, nord? Je voudrais maintenant, avec la permission de la Chambre, vous montrer deux photos. Je sais que votre vue n'est pas bonne. Ce sont des photos et non pas des textes. Deux photos prises par les enquêteurs des juges d'instruction au moment où vous leur avez fait visiter la pagode. Il s'agit de photos qui se trouvent dans le rapport de situation géographique E3/8049.
aux pages en français 10 et 11. Et je crois d'ailleurs dans les trois langues, c'est aux pages 10 et 11. Monsieur le Président, est-ce que j'ai l'autorisation de lui remettre ces deux photos et voir s'il peut reconnaître ce qui se passe? Alors, les légendes de ces deux photos sont les suivantes. Il est indiqué le témoin Yvoun montre une fosse où de nombreux ossements ont été exhumés. Fosse D sur le croquis. Et l'autre photo porte la légende suivante, une autre vue de la fosse D. Monsieur le témoin, est-ce que c'est vous qui apparaissez sur ces photos? Et est-ce que vous reconnaissez l'endroit que vous montrez aux enquêteurs? Si c'est vous. Comment savez-vous qu'il y avait des corps à l'intérieur de ce puits? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que ce puits était mal rebouché? Est-ce que la fosse également laissait apparaître des traces d'enterrement de personnes? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y avait des gens ou des cadavres à l'intérieur? Et est-ce que c'était des membres ou bien est-ce que c'était déjà des os? Est-ce que c'était des membres qui n'avaient pas encore été décomposés? J'en viens à la dernière partie de mes questions. Ce sera assez court. À part cette nuit où vous avez entendu ces cris et où vous dites que les personnes d'origine vietnamienne ont été exécutées à Vat Ksa, est-ce que vous avez entendu que des Vietnamiens de la région ont été exécutés dans d'autres endroits, d'autres lieux d'exécution? Comment avez-vous su? Vous avez parlé tout à l'heure du fait que Takut et Yiyai avaient été exécutés après Vat Ksa à Damban Andong Nour, au village de Chok. Comment avez-vous appris cette exécution? Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Đang giống mấy tham minh ca sầm lấp nơi đồng bằng anh đông nuông anh đông nuông ta luôn ai chụp riêng bà băng chụp nôm chụp riêng bàn thế nè nè sọc này anh cái bắp chụp lòng nè sọc phun chọ này cái bắp chụp lòng bắp nuông thì giờ tôi làm đông nôn ta khốt gì hai.
Et combien de temps avant l'arrivée des Vietnamiens, cette exécution ou cette tuerie a eu lieu? Donc vous voulez dire au tout début 1979, est-ce que je comprends bien? Chúng bạn ấy thà lục chẳng gì thà nơi đã ưm cho năm chật bầm buồn ta mình đi. Nào đâm cho năm chật bầm buồn này. Est-ce qu'ils étaient seulement deux, d'origine vietnamienne, enfin en tout cas Y Hai, à être exécutés à ce moment-là, ou bien y avait-il d'autres personnes? Est-ce que les villageois de Cho, vous en parlez? Vietnam Merci beaucoup, monsieur le témoin, d'avoir répondu à ma question. Nous en avons terminé du côté des co-procureurs, mais je pense que du côté des parties civiles, l'avocate principal a certaines questions, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Bonjour à tous, bonjour monsieur le témoin. Je m'appelle Marie Guiraud, je représente le collectif des parties civiles et j'ai quelques très très courtes questions à vous poser. Vous avez déclaré tout à l'heure au co-procureur international que vous ne vous souveniez pas si des listes de personnes d'origine vietnamienne avaient été réalisées avant l'exécution à Wat Ksach, mais vous avez indiqué en 1975, j'ai entendu parler d'une telle liste. Pouvez-vous expliquer à la Cour de quelle liste vous avez entendu parler en 1975 en référence avec les personnes d'origine vietnamienne? Donc, si je vous comprends bien, il s'agissait d'une liste dressée par le comité de la commune en 1975 de tous les villageois de la commune. Est-ce que je comprends bien votre témoignage? Est-ce que vous avez su à l'époque si l'ethnie des personnes de la commune était mentionnée sur cette liste sur laquelle vous-même étiez inscrit? របស់អ្នកភូមិនឹងដែរទេរួមទាំងលោកផ្ទាល់តែគេមានសួរអំពីជនជាតិឬក៏ដើមកំណើតរបស់លោកទេសូជនជាតិសូតាំងពីគាត់ទេតាំងពីនេះ
miền nè cò nè ô cướp tầm mục này nè thân nạ tiệp nè thân nạ của ấy kì còn tầng ngọt Donc, il s'agit d'une liste effectuée au niveau de la région, si je comprends bien ce qui a été traduit en français, où un certain nombre d'informations étaient précisées. Est-ce que l'ethnie était précisée, à savoir, est-ce que si les gens étaient khmers, d'origine vietnamienne, d'origine chinoise? Est-ce que c'est une information dont vous vous souvenez? ដូច្នេះខ្ញុំចង់សួរថាតើនៅក្នុងបញ្ជីហ្នឹងគេមានរៀបរាប់ថាម្នាក់នេះជាជនជាតិចិនម្នាក់នេះជនជាតិខ្មែរម្នាក់នេះជាជនជាតិវៀតណាមដែរឬទេ Witness say region and in French the word លោកទីខ្ញុំអត់ឮសូរសាស្ត្រនិយាយពាក្យថា I heard commune តំបន់ទេគឺឮសូរពាក្យនិយាយថាពាក្យឃុំទេ J'ai entendu les deux j'ai entendu au départLe témoin parlait de listes dressées au niveau de la commune et dans la question d'après, en tout cas dans la traduction française telle que je l'ai comprise, il a indiqué qu'il s'agissait de la région. Donc peut-être que je peux lui faire préciser. Je crois que ma consœur Akia, je pense qu'elle a compris la même chose que moi. Monsieur le témoin, pouvez-vous préciser si ces listes étaient dressées au niveau de la commune ou au niveau de la région ? ថាតើបញ្ជីនឹងរៀបចំឡើងដោយថ្នាក់ឃុំឬក៏ថ្នាក់តំបន់រៀបចំនៅថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ភូមិទៅពីឃុំទៅភូមិគេរៀបចំC'est très clair, je vous remercie. Vous avez donc indiqué que sur cette liste, un certain nombre d'informations étaient mentionnées pour chaque habitant. Vous avez indiqué qu'il était demandé si les personnes étaient riches ou pauvres. Est-ce que l'ethnie des gens, à savoir s'ils étaient d'origine khmer, d'origine vietnamienne ou d'origine chinoise, était une information qui était demandée aux habitants pour dresser ces listes ? ដូច្នេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគេមានសួរព័ត៌មានអំពីកន្លែងស្នាក់នៅឬអំពីពូជសាសន៍អីចឹងដែរឬទេខ្ញុំមិនឮសួរអត់ឮសួរចឹងអត់ឮសួរថាជនជាតិអីជនជាតិអីក៏អត់ឮសួរAvez-vous déjà entendu le terme de Lang Thai ? Est-ce que c'est un terme que vous aviez déjà entendu à l'époque, c'est-à-dire entre 75 et 79 ? Pouvez-vous expliquer à la cour ce qu'est un Lang Thai pour vous ? S'agit-il d'un document ? Et si oui, pouvez-vous expliquer quel type de document ? ឡើងតៃEtiez-vous vous-même muni d'un Lang Thai à l'époque? តើនៅពេលនោះលោកមានឡាំងតៃនឹងដែរទេខ្ញុំអត់មានទេDonc, qui avait un Lang Thai à l'époque ?
Est-ce que c'était un document réservé à certains types de personnes? Savez-vous à quelle époque ces langues thaïs destinées aux personnes vietnamiennes ont été établies? Est-ce que c'était pendant la période des Khmer Rouges? Est-ce que c'était avant? Est-ce que c'était pendant le Sangkum? Est-ce que vous vous souvenez de cela? Et pour bien comprendre la nature de ce document, vous avez indiqué qu'il s'agissait d'une carte qui était destinée aux personnes vietnamiennes. Est-ce que, du coup, ces cartes étaient gardées par les personnes elles-mêmes? Sur eux ou chez eux? Je vous remercie. Savez-vous si, pendant l'époque des Khmer Rouges, pour utiliser un terme un peu vague mais consacré par la Chambre, vous avez entendu que les cadres de votre village ou de votre commune recherchaient les personnes munies d'un langue thaï pour savoir si elles étaient d'origine vietnamienne ou non? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler à l'époque ou dont vous avez été témoin? Je vous remercie. J'en ai terminé de mes questions sur ce point et j'ai juste une dernière question. Y a-t-il eu à un moment pendant la période de 75 à 79 une unité militaire qui a été postée dans votre village? Je vous remercie. Nous avons entendu un témoin un petit peu plus tôt dans ce mois qui nous a dit qu'une unité militaire avait été postée pendant la durée du Kampuchea démocratique dans la pagode de Ksach. Est-ce que c'est une information que vous confirmez ou que vous infirmez? Est-ce que vous aviez connaissance de ça ou pas du tout? Votre
Très bien. Je vous remercie, Monsieur le témoin, d'avoir répondu à mes questions. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. ថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះរុស្ស៊ីនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្ដែងការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការត្រង់រួលដល់កន្លែងតម្រាក់នៅបន្ទប់រងចាំតំណាក់ស័ក្តិដល់ស័ក្តិរូបនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលជប់សម្រាប់ថ្ងៃត្រង់នឹងឲ្យយើងគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សក្តិកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្ដែងការនេះនៅវេលាម៉ោង1កន្លះនៅរុស្ស៊ីនេះហើយបង្កប់ឲ្យអនុរិយអន្តរជាតិគុំខាំ